C'est une bête de guerre, non, la GTR Nismo? Alors, c'est la plus extrême de nos supercars, la Nissan GTR Nismo. Elle fait 600 chevaux et elle a battu tous les records sur la Nürburgring Nordschleife, qui est le circuit le plus sévère du monde, dit-on. En 7 minutes 08 pour 23 km de virages et de courbes en dévers. Les premières livraisons ont lieu maintenant. Effectivement, cette supercar qui est sortie en 2009, année après année, elle suit ce qu'on appelle le Kaizen en japonais, c'est-à-dire que chaque année, elle subit une évolution. Alors, quelquefois, c'est la motorisation, quelquefois, c'est les trains roulants. Et là, on arrive avec cette version Nissan Motorsport, Nismo, qui est encore plus puissante, puisqu'elle développe 600 chevaux au lieu de 550 sur les versions classiques. Chez Mercedes est sortie la nouvelle AMG GT, et ils disent que c'est l'arme anti-Porsche. Alors, est-ce que la Nismo est l'arme anti-Porsche chez Mercedes AMG? Alors, c'est pas une arme anti qui que ce soit, elle a un vrai succès, on en a vendu 25 000 dans le monde. C'est une supercar qui a surpris tout le monde, qui est devant toutes les autres voitures de grande série sur le Nürburgring par exemple. Donc on est extrêmement fiers de cette supercar sans pour autant y opposer formellement une voiture ou une autre.